Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue encore une fois dans cette émission Alouatio et j'en suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Et oui, jusqu'à quand, Seigneur des armées, vas-tu te raidir face aux prières de ton peuple? Et oui, jusqu'à quand nous pouvons seulement dire courage et persévérance dans la prière, car rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu n'est pas sourd. Quand nous le demandons, nous trouvons toujours solution à nos problèmes. Aujourd'hui, je suis avec Nicole. Nicole, bonjour. Bonjour, Hassel. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Moi, je vais hyper bien. Chers amis téléspectateurs, moi, je suis plus qu'heureuse de vous avoir dans cette émission Alouatio sur la chaîne de l'espérance. 17 ans de marche porteuse de fruits. 17 ans de marche au pied de Notre-Dame des Douleurs. 17 ans de marche porteuse de sens. 17 ans de marche, 17 ans de marche, 17 ans de marche. Pendant les 16 dernières éditions, nous avons eu à vivre les grandes célébrations eucharistiques avec la Fédération de chorales. Et cette année, à notre 17e édition, c'est la Fédération des chorales Saint-Antoine de l'archidiocèse de Lomé qui sont à l'honneur. Ils seront avec nous tout à l'heure sur ce plateau, mais avant de les découvrir, je vous propose de suivre le titre « It is all about you » de Precious.
Baba, you are the King of Kings. Baba, you are the Lord of Lords. Chers amis téléspectateurs, vous venez de suivre le titre It is all about you de Precious. Nous l'avions annoncé au début. Ils sont avec nous sur ce plateau. Ils ont de bonnes choses pour vous. Donc, restez scotchés sur la chaîne de l'espérance. Soyez les bienvenus sur la chaîne de l'espérance. Merci, ma sœur. Vous êtes les membres de la Fédération des chorales Saint-Antoine de l'archidiocèse de Lomé. Justement, comme vous l'avez dit, bien sûr. Ok, présentez-vous aux téléspectateurs. Vous avez devant vous ici le frère Emmanuel Odanou, qui est le premier responsable de la Fédération Saint-Antoine de Padoue. Merci. Je suis Félix Ayano, conseiller du bureau de FECOSAL. Vous allez nous dire, vous êtes chargé de nous accompagner durant notre 17e édition à Covier, devant ce grand défi à conduire le peuple de Dieu à mieux vivre les célébrations eucharistiques. Comment est-ce que vous vous préparez? Merci ma sœur et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et d'abord, c'est une très grande joie pour nous de déballer ici nos activités qui ont précédé notre animation, nos animations de Covier cette année. Alors, comme on le dit souvent, qui veut aller loin ménage sa monture. Et nos préparations se sont présentées à trois niveaux. Le premier niveau, c'est que toutes les chorales ont leur classe de chant régulièrement. Et à cette classe de chant sont sollicités les directeurs pour les assister, pour les appuyer. Au deuxième niveau, nous avons les répétitions sectorielles. Alors, prépondérant, comme on pourrait le dire, au niveau de notre fédération, nous avons deux niveaux. Il y a le secteur Lomé et le secteur Zio. Alors, c'est dans cet ordre d'idée que le 13 juillet dernier, il y a eu une répétition générale à Guatopé pour le secteur Zio. Le 27 juillet suivant, il y a eu une répétition générale à Zangera pour le secteur Lomé. Et après cela, c'était le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est la répétition générale où tous les deux secteurs devaient se rencontrer. Et le premier a eu lieu le 5 octobre, c'était à Kwalidévé, sur la paroisse Notre-Dame des Douleurs de Thiévier. Ensuite, ce fut la répétition générale qui a eu lieu à Baie, Marie-Reine de Baie, effectivement à Lomé, le 2 novembre dernier. Toute la journée, et toute la fédération s'est rencontrée pour faire sa répétition. La dernière en date a eu pour cadre la paroisse Saint-Paul d'Avenou, où pendant deux journées entières, nous avons fait une répétition sous l'œil vigilant du révérend père, je vais nommer ici le père Anato Julien, qui nous a accompagnés, lui-même étant au four et au moulin. Et c'est là où nous avons fini notre dernière répétition. Et nous espérons que le 5, quand nous allons nous retrouver à Covier, nous allons refaire les dernières retouches pour que la fête soit belle. Merci, ma soeur. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Et vous allez nous dire, la Fédération de chorale Saint-Antoine est composée de combien de chorales? Et la Fédération des chorales Saint-Antoine de Padoue est composée de 11 chorales. Qui sont? Qui sont la paroisse Sainte-Rita de Huiti, la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Gapé-Centre, paroisse Marie, Mère du Rédempteur à Didegombe, paroisse Saint-Paul à Venou, paroisse Notre-Dame des Douleurs Kwalidévé, paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Béclicamé, la paroisse Marie-Reine de Bé, la station secondaire Saint-Antoine de Davédi, la station secondaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, la station secondaire Sainte-Croix de Ayacopé, la station secondaire de Notre-Dame de Lourdes de Havé, la paroisse Sainte-Croix de Zangera et enfin
la paroisse Saint-Joseph de Batopé. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Parce que ce n'est pas facile de former une très grande fédération de cette taille, parce que les gens en ont tenté de faire, mais des fois ça ne marche pas. Mais félicitations à vous. Pour continuer, comment est structurée votre fédération, la FECOSAL? La FECOSAL est structurée tout simplement comme toute autre association. Nous avons un bureau directeur composé de 3 membres et plus un conseil. Le conseil est un niveau où toutes les chorales sont représentées et les décisions sont prises au niveau du conseil. Les 3 membres du bureau sont chargés, effectivement, de coordonner toutes les activités dans ma personne, mon adjoint actuellement à Thévier, plus notre rapporteur général. Alors, c'est dans ce cadre que nous évoluons et nous avons l'habitude même de porter nos actions vers surtout ceux qui sont dans les fermes. C'est là où nous avons notre force. Merci. Et quel est actuellement l'effectif de votre fédération? Notre fédération, comme toutes les fédérations, est constituée de des petites chorales. Et actuellement, nous avoisinons 300. Actuellement. Ok, merci. Oui, les 300 membres seront là sur le site du pèlerinage. Nous espérons bien, si tout va bien. Donc ce sera du boom. Nous l'espérons. Et quelles sont les différentes messes qui sont au programme? Bien, merci ma sœur. Il est prévu à la messe de 15h, une messe traditionnelle, Christo Enefia. Et là, vous trouverez une chorale fantastique, une fédération qui va déballer sa prestation en tenue traditionnelle. Et après cela, nous aurons la messe de 21h. Et cette messe composée par notre Monseigneur Bariga, aimée vraiment. Tout le monde aime vraiment. Et la dernière, ce sera le grégorien que nous avons négligé entre-temps, mais que nous avons la joie de retrouver dans nos messes, la messe 17, que nous allons exécuter. Messe 17? Oui. La messe 17. Du jour au jour, le 17 et le 7, le dimanche 7. Oui, on parle de la messe 17 même. La messe 17. Oui. Ça, c'est le nom de la messe. Oui, messe grégorienne. Ça se jante comment? La messe 17. Bon, si je prends par exemple Santus. Oui. Santus. Ah, bon, c'est ça, la messe 17. Santus. Merci. Et comment se fait le choix des messes entre vous et la communauté d'organisation? Bon, là, il n'y a pas de problème. Heureusement que le comité d'organisation est toujours à nos chevets. Ils nous suivent de très près. Nous faisons d'abord, nous, à notre niveau, une proposition que nous soumettons. Après sa correction, nous le soumettons encore à l'appréciation du révérend père, le chargé des chorales, le père Anaton. Et après, ça grimpe au niveau du révérend père cérémoniaire. Et c'est lorsqu'il aura paraffé que ça parvient au niveau de l'archevêque avant de nous revenir. Alors, c'est un long chemin, un long processus. Ça ne se fait pas au hasard. Donc, vous avez commencé un peu plus tôt? Justement, tel que vous le dites, dès que nous avons appris que nous avions été sélectionnés, nous avons pris toutes les mesures. Pour que? Pour que ce soit vraiment une partie réussie, justement. Et on espère que ce sera une partie réussie. Le programme des messes est-il déjà sur le marché? Oui, le programme des messes n'est pas encore sur le marché, mais d'ici là, je voudrais dire jusqu'à dimanche, on les trouvera sur les paroisse et particulièrement le vendredi, ce sera disponible sur le site de Covier. À quel prix? C'est à 500 francs l'unité. CFA. CFA. L'exemplaire, c'est ça que vous tenez? Oui. Tel que vous le voyez. Tel que vous le voyez. Fédération des chorales Saint-Antoine de Padoue de l'archidiocèse de Lomé, FECOSAL. Exactement. Chers amis téléspectateurs, Aider la communauté chrétienne en achetant le programme à 500 francs CFA. Ceci, c'est une manière de contribuer à l'évolution du site
de Notre-Dame des Douleurs. Vous qui venez de nous capter, chers amis téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne de l'espérance dans l'émission Aloisio avec les membres de la Fédération Saint-Antoine de Padoue qui vont nous accompagner cette année au cours de la pèlerinage au pied de Notre-Dame des Douleurs à Corvier. Aujourd'hui, J-5, quel sentiment vous anime en ce moment? Nos sentiments? Oui. Il est dit quelque part dans la Bible que ce n'est pas un esprit de peur que vous avez reçu, c'est plutôt un esprit de joie. Entouré par la cour céleste et au pied de la Vierge Marie, déjà nous sommes dans la fièvre de joie et c'est la grandeur de Dieu qui va s'exploser ce jour-là. Nous remercions la maison TV Space qui nous accueille, qui nous met en branle avec toute la communauté chrétienne. Et je m'en vais vous dire que tout le monde est en joie parce que Maman Marie est toujours en joie. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup les frères qui représentent la Fédération des chorales Saint-Antoine de Padoue de la Cité de Lomé. Nous allons dans quelques instants inviter les autres à venir sur le plateau. Mais bien avant ça, nous allons souffler en musique. Nous allons chanter Alléluia avec Jota. My dream.
auditeurs, nous devons applaudir le Jota. Vigo ante partum. Ora pro nobis. Vigo in partum. Ora pro nobis. Et Vigo post partum. Ora pro nobis. Ok, merci, merci à vous. Je vous laisse chanter. Ok, allez-y. C'était l'hymne mariale 1, Nia Dada Kovieto. À présent, l'hymne mariale 2, Dada Maria Kovieto. Donc, Beda de Miata. Et oui, c'était plutôt l'hymne Maria 2 qu'il vient d'exécuter. Mia Dada Marie, Mia Dada Kovieto, Tok Berado Miata. Si les conviés, les conviés, les conviés.
Chers amis téléspectateurs, nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à la Fédération de Chorale Saint-Antoine. Merci à vous, chers techniciens. Merci, merci, merci à tout le monde. Bon temps de l'Avent à tous et bonne préparation à vous tous qui allez faire le déplacement le 6 et 7 sur le site de Notre-Dame des Douleurs à Corvier. D'ici là, portez-vous bien et que Maman Marie vous couvre de son manteau virginal. C'est nous qui vous remercions.